tout seul, là, tout seul. Oula. Oula, tu l'as entendu là? Il est où? En fait, elle est pas aux flammes de c'est mort carrément. Ah, lui il est en train de monter là, C58. Mais gros, j'ai pas de LCD, je fais pas un kill. Ah, il m'a pris. Vas-y, piste de pute, bon, attaque. Oula. Ça vous dit quelque chose, l'Octeto ou pas? Ouais, ouais, on va changer d'idée avec lui là. C'est lui? Rien compris. Ah, c'est lui, hein. Ouais. Bah, quitte-toi, le gars là, il doit avoir 400 nuques. J'en ai 500 en vérité, hein. Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War, et aujourd'hui on va se retrouver concernant une mitraillette que je n'ai pas parlé depuis très longtemps sur la chaîne, la Milano. Alors la Milano reste quand même une très bonne arme sur Call of Duty Black Ops Cold War, mais toutefois ce n'est clairement pas la meilleure mitraillette du jeu. Elle a l'avantage d'avoir un maximum de dégâts, d'ailleurs c'est la mitraillette qui fait le plus de dégâts avec la KSP. Toutefois, c'est pas l'arme avec laquelle tu vas pouvoir enchaîner un maximum de monde. Imagine tout simplement la LC-10 ou la cassette tank à trucs qui te permet justement de faire ça. Et vu que sur Warzone, la Milano a quand même été sacrément buff, est-ce que c'est toujours le cas sur Call of Duty Black Ops Cold War? Est-ce que l'arme est intéressante à jouer en multiplayer? La réponse est oui, elle est intéressante à jouer en multiplayer. Toutefois, il va falloir être assez intelligent au niveau de ses déplacements pour pas prendre les adversaires en un seul coup, ou tout simplement faire des doubles, etc. Mais plutôt essayer de les prendre un par un. Je vais réaliser donc un 55-0 avec la Milano, et en plus de ça, la game est incroyable. Au début, je vais tomber sur des FR qui vont totalement mais péter un câble dans la game, ils vont devenir complètement fous, ils vont rager à mort. Et ensuite, mon pote va tout simplement leur dire que je suis l'Octeto, ils vont dire « Ah ouais, mais je connais, etc. » Donc c'est plutôt assez sympathique, la game est grave cool. Mais avant d'attaquer le gameplay et la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà, ça montre votre soutien. Partagez la vidéo également. Lâche un gros pouce bleu, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Ça m'aide énormément au développement de la chaîne, au développement de la vidéo et un maximum de référencement. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu penses de cette classe, qu'est-ce que tu penses de la Milano. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je compte sur vous, défoncez la barre de likes, montrez votre présence sur les vidéos YouTube. Et on n'oublie pas de follow Twitter, Instagram, Twitch, c'est important parce que je suis également actif sur tous les autres réseaux sociaux. Place au gameplay et ensuite à la best class setup. En gros, ça dure tout le week-end et... Ah ouais, mais vas-y les gars, faut prendre des pauses aussi. Je suis mort. C'est du bon FR ça. Ouais. Ah par contre entrer dans une game Tout seul, tout seul. Oula. Oula, tu l'as entendu là? Ah oh, oui. Est-ce que... Ça commence vraiment à me faire son Dermatil, il est trop fort. Ah, il est low, hein. Ah, le bâtard. Alors lui mon gars. Vas-y frère, j'étais carrément meilleur au sniper. Là, ils sont déjà niveau 150. Où ça? Ah ouais, 152. Oh, on est où là? On est où là? Alors lui, il a pas de vie. Ah, si, si, j'en ai une. Moi, je tryhard, mais alors lui, c'est. Lui, c'est légendaire. Ah bah oui. Hein. Le tryhardisme légendaire, ouais, oui. Ouais. Ah bah, il a fait la quad, il aurait fait plus fort. Il est où? En fait, elle est pas aux flammes de c'est mort carrément. Ah, lui, il est en train de monter là, c'est 58. Ah là c'est là. Vas-y. Ouais ouais, moi je les assauts qu'il a. Mais gros, j'ai pas de LCD, je fais pas un kill. Ah, il m'a pris chaud de fou gros, il m'a pris chaud de... Ah je pleure, c'est des... Ils me fument. Ouah, il faut les RPD gros. Il est où? Fais gaffe, il y a mes coups de terrain là toi. Let's go. Vas-y vas-y, piste de pute, faut attaquer. Oula. Fast Rafale, régale-nous s'il te plaît, sors noir. Ah. Sors-nous le ah, mon ref. Voilà, là il régale. Enfin des alliés bons. Ah, deux alliés bons. C'est lui, après c'est moi, tu vas voir. Non, dommage, je suis mort. On est en train de les défoncer par contre. Les gars, poussez pas trop. Hein. Ah bah ça c'était sûr. Y'a un brouilleur. Bombarde, bombarde. Ouh. 5 feet vient de faire. 10. Détruisez le brouilleur. Il a fait full team. Bien vu. Let's go. Ah ouais, ils sont cool. Ils pètent des câbles, mais ils sont ah cool. Bah, c'est bon, bah. Ah ouais, il est bon, il est niveau 152, mais c'est un tryhard aussi. Ah, il est bon. Je
Je suis en implacable en fait, frérot. Je me suis même pas rendu compte. On la remet, putain. Par contre, ça prend deux fois en face aussi. Non, mais. Oh, ah, je l'ai eu. Ah ouais, mais ça pète à les kills là, mort. Ah, un peu normal, frérot. Ça va arriver. Wesh. Putain, il la voulait, hein. Pour la next. Ah, il a net. Eh, hey, user, play safe. Hey, mec d'art, pour j'ai la nuque, je crois bientôt. Mais gros, il est en train de ah bah oui. Ouais, t'as le micro après ou pas, frérot? Non, il sera à 25k à peu près s'il a fait. Ah, c'est bon, il a la nucléaire, les frères. Non, bientôt. Et là, c'est bon? Ouais, wesh. Demande-lui s'ils me connaissent. Ça vous dit pas quelque chose, l'Octetou? Ça vous dit quelque chose, l'Octetou ou pas? Ouais, ouais, ouais. On va changer d'idée avec lui là. C'est lui? Ah, c'est lui, hein. Là où t'es tout, gros. Je connais pas. Là où t'es tout. Je connais pas, gros. C'est un gars, il fait du Twitch. Ah, ouais, mais tu te rates pas trop, gros. C'est un gars, il fait du Twitch, genre 300 viewers à peu près. Vous avez la vie, ça, t'es bien ou pas? Ouais, ouais, j'aurais. Putain, on me reconnaît partout hein, sur Cold War, c'est impressionnant. Vas-y, balance. Balance. À l'époque où je mettais mon cul sur Twitch, je faisais 600 viewers. Attends, le top. Eh, vas-y, je l'aurais pas. J'ai la machine, ouais, c'est très hard. J'ai la machine. C'est cool, on me reconnaît maintenant à chaque fois dans les lobbies Cold War. Je te dis, à niveau 152. Ah, je peux, là, j'aurais pas, regarde tous les soucis. Ah, c'est bon. Coupe des bruits, bro. Ah non, je bug. Wow. Ah, t'aurais dû laisser, frère. Je vois. Je pense à la dispensure. Hein. Tiens. La dernière fois que je suis allé voir son live Twitch, je crois qu'il devait être à 350 000. C'est cool de tomber sur des mecs qui le connaissent mais ils reconnaissent pas le nom. Eh, on se carré là. Faudrait leur laisser une deuxième position. Une position en fait. Il est toujours pas mort, je crois. C'est non, n'importe quoi. Et on peut faire un double en vrai s'il serait tué. J'arrive pas, et moi je me fais tuer par des petites salopes, gros. T'as la vista ou pas? Ouais, je me suis cassé, hein. Ça commence à devenir un peu. Oh non! Mais gros, j'ai pris n'importe quoi! Ah ouais, tu vois, moi c'est pareil. T'avais pas de pissat? Ouais, attends, mais je vais voir la vista. Putain, parce qu'ils sont vénères, hein, en face, hein. Ouais, mais maintenant, c'est qu'ils sont tellement baisés qu'ils aiment trop les lignes, gros. Eh ouais. Ils sont tellement baisés le cul, gros, que maintenant c'est bizarre fixe. Ah, mais par contre! Ah, mais pouf. Il y a du monde qui arrive. Est-ce qu'ils savent qu'on va arriver? Il est en 45-0, ouais. Les autres. Je l'ai vu mourir devant mes yeux, comment c'est possible? Bah, lui, c'est pas trafale, c'est pas du tout pas mort. Ouais, j'aimerais bien. Bah, gros, je te jure que c'est lui, il joue à la Milano. Bah, je suis toujours pas mort, moi. Non? J'ai réussi à m'échapper, moi. Ah, j'ai commencé d'armes! Wesh! Oh là, on ne tire même pas un arc là, quoi. Elle a sorti 14 arcs et moi j'en sors même pas un. Et je me fais coller! Oh la honte! Ah, mais gros! Ah, je vois personne là et je suis en bonne série. Je me fais trop pré-shoot en fait, parce que ça sent tellement baiser le cul, gros, je te jure! Ça, c'est des games comme ça, gros. Eh oui! C'est à chaque fois que pour mes, comme ça pour mes triples nucléaires. Ah, heureusement qu'ils sont pas très intelligents là. Hein. Ah, ils ont détruit la vista. Ils sont intelligents pour la PTE. Ah, le bric de pistolet, baisez vos mères avec vos putains de stoner et tout. C'est bon, vous prenez l'ennemi, vous avez ton stoner. Oh, oh là. Il y a un 52-0, gros, ça me tue. Ah, je l'ai fait sur BO3, c'est un 52-0 en domination. Ouais, ouais, moi je l'ai fait sur celui-là. Ma plus grosse série, c'est 52.
Bah dis-toi, le gars là il doit avoir 400 nuques. J'en ai 500 en vérité. Hein. Ouais, ouais. Va voir ton kit, tu vas péter un plomb, gros. Ça doit être top 100 mondial. Exactement. Mais ça me préchoue trop, je peux faire, gros. Il est même pas sorti un arbre, frère, on est où? GG en tout cas. 55-0. Le gars il en avait la partie, frère. T'avais pas joué, gros. Et voici la best class setup qu'on va attaquer tout de suite. N'oublie pas de lâcher le pouce bleu si c'est pas déjà fait, c'est important, je te le rappelle, et de partager la vidéo, de t'abonner si tu es nouveau. Au niveau du silencieux, donc on va se retrouver d'abord avec le silencieux sonore, le dernier canon corps expéditionnaire, l'accessoire de canon poignée agent de terrain, le dernier chargeur et la dernière poignée, vous avez l'habitude évidemment. En plus je l'ai en or et je la trouve assez stylée en or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Ciao ciao tout le monde.